Bonjour. Alors, merci d'être venu déjà. Je me suis dit que j'étais la bonne personne parce que comme je suis flippée tout le temps, je me dis que j'étais très bien pour vous parler du risque. Parce que c'est une vraie lutte pour moi à chaque fois de faire les choses. Donc je me suis dit que j'avais peut-être des histoires à vous raconter et peut-être des conseils à vous donner. Donc j'ai appelé Stockholm, où est le risque? Parce qu'en fait, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'en fait, le risque n'est pas tant là où on pense qu'il est. Donc c'est ça le risque en fait. C'est cette impression-là permanente. D'être sur un fil et de se dire « Ok, j'ai envie de le faire, mais est-ce que je vais tomber ?» Finalement, le pire, c'est de ne pas essayer. C'est ça pour moi le risque. Elle est là, la douleur. Donc je me suis dit, je ne voulais pas faire un truc trop auto-centré, quoi. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous raconter mes trois plus grandes peurs, les trois fois où j'ai vraiment l'impression de prendre un gros risque, quoi. À part ce matin, en venant vous parler. Donc les trois plus grandes peurs que j'ai eues dans ma vie, qui ont été pour moi les trois plus grands risques, les trois plus gros paris que j'ai faits, hein, et qui ont été aussi les trois plus grandes opportunités. Donc, qui connaît un peu mon parcours, hein? Merci. Deux. Formidable. Formidable. Alors, ça, c'est Palomar 5. Est-ce que ça vous dit quelque chose, hein? Palomar 5, ça a été une espèce de programme qui a été créé par Google et T-Mobile à Berlin, où en fait, ils ont mis 28 personnes. C'est comme si vous mettiez vous, on en choisissait 28, hein, et vous habitiez pendant 7 semaines, pendant 2 mois à Berlin, dans une ancienne usine à bière qu'ils avaient redesignée pour nous. Personne n'avait le même job. Donc il y avait un artiste, un designer, etc. Et en fait, donc moi, ils ont reçu 800 applications. Donc moi, je suis au milieu. J'étais la française. Donc là-dessus, vous avez des Indiens, des Canadiens, des Allemands, des Suisses. Et en fait, on venait du monde entier. Et Palomar, pour moi, ça a été une vraie prise de risque parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais y faire. C'est-à-dire que quelqu'un m'a envoyé sur Twitter en me disant « Il y a ce truc-là qui se fait à Berlin. Il faut absolument que tu ailles, c'est pour toi. » Parce que le thème, c'est le futur du travail pour la génération Y. Et comme toi, tu n'arrêtes pas de changer de job. Je me suis dit que ça allait être... Parce que moi, j'avais fait 8 jobs en 8 ans, quoi. Donc c'était un peu la cata. Et du coup, j'ai envoyé mon application et j'ai été choisie pour le programme. Et pour moi, ça a été un vrai pari. Je vous passe les détails débiles, mais j'aime pas l'avion. Déjà. Donc il fallait que je prenne l'avion, il fallait que j'aille habiter avec 28 personnes que je ne connaissais pas, qui venaient de 15 pays. Et en fait, cette opportunité, enfin cette expérience a changé ma vie, quoi. C'est-à-dire que je ne suis plus jamais revenue dans ma vie à Paris. Et j'ai eu l'opportunité de partir à San Francisco. Sur les 28 résidents, ils en ont choisi 8 pour partir à San Francisco pour 3 mois. Donc en fait, Palomar, ça a été vraiment une façon, ils appelaient ça Exploring Creative Space, mais ça a vraiment été une façon pour moi d'explorer mon creative space, c'est-à-dire moi je me suis découvert que j'étais une créative, ce que je ne savais pas du tout. Moi je me voyais plutôt comme une business, stratégie, développement, machin, bidule, alors qu'en fait pas trop. Du coup ensuite, j'avais fait Palomar et il fallait partir à SF, parce que j'avais été choisie. Alors là, SF c'est le pire pour moi. 11 heures d'avion déjà. 3 mois à SF, encore une fois, je ne savais pas du tout pourquoi faire. Je savais juste que j'avais ce qu'on appelle une résidence artistique dans une galerie numérique. Donc une résidence artistique dans une galerie numérique, comment vous dire, je ne savais pas du tout quoi mettre au mur, parce qu'en fait, ce qu'ils avaient dans la galerie, c'est ce qu'on appelle des artistes numériques. Hein. Ça vous dit quelque chose, toutes les data, visualisations, et OK, bah moi, je ne sais pas faire ça, en fait. Donc je me dis, je vais quand même dire oui, je vais quand même y aller, puis on verra bien, quoi. Et en fait, du coup, San Francisco, pour moi, ça a été un vrai pari, parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais y faire, je ne savais pas du tout comment j'allais gagner ma vie, je n'avais pas de visa. Petit détail, c'est-à-dire que j'avais aucun visa pour aller aux États-Unis, mais j'ai pris cet avion et je devais rester 4 mois et je suis restée 6 ans. Donc du coup, voilà, c'est un long chemin hein, sur les 6 ans. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, j'étais terrorisée d'y aller, hein, vraiment, parce que j'avais vraiment l'impression... Bon, j'étais terrorisée mais contente, hein, quand même. Et du coup, mais en fait, j'avais cette impression-là quand même. C'est-à-dire que j'avais l'impression de lâcher mon ancienne vie... Hein, plus sécure. Ici, mes études, elles valaient quelque chose. Je savais quoi en faire. J'avais l'expérience Palomar, etc., etc. Pour une nouvelle vie dont je n'avais aucune idée. Hein. Moi, je n'avais jamais été aux États-Unis. Hein. Donc, ah si, j'y avais été une fois. Mais à New York.
Donc c'était pas, je ne connaissais pas du tout la côte ouest, je ne connaissais pas du tout la ville, je n'avais pas de visa, je ne savais pas ce que j'allais y foutre, mais quelque part, je sentais que c'était qu'il fallait que j'y aille, quoi. J'avais une espèce d'intuition, ce qui est un peu la clé, je crois, pour prendre des risques, qu'il fallait que j'y aille. Donc je suis restée 6 ans. Comment j'ai fait? C'est qu'une fois que je suis restée 4 mois, j'ai compris que c'était là où j'avais envie d'être. Donc là, je me suis à peu près défoncée pour trouver un visa, quoi. Alors, quand je vous dis défoncée, c'était de l'acharnement. Donc j'ai commencé à proposer. Donc là aussi, c'est un truc... moi, je n'ai pas beaucoup de talent, mais j'arrive à peu près à créer un job si je sens qu'il y a un besoin quelque part. Donc en fait, j'ai commencé à proposer d'écrire sur ce qui se passait dans la Silicon Valley pour des pure players qui étaient en France. J'avais commencé un peu à écrire à Berlin pendant que j'étais à Palomar 5. Et du coup, j'ai commencé comme ça à me faire repérer en écrivant sur ce qui se passait à San Francisco. Et c'est comme ça que je me suis fait recruter par une boîte qui s'appelle Scoop It. Vous connaissez? C'est vachement connu maintenant, Scoop It, ici, en fait. Bon, bah moi, j'étais la première employée de Scoop It aux États-Unis, donc je suis devenue directrice marketing de Scoop It. Donc, ils m'ont embauchée parce qu'ils avaient lu mes articles. Et j'écrivais beaucoup sur la curation, machin, etc. Donc, je m'incrustais à toutes les conférences. Voilà, moi, j'ai réussi à interviewer des pontes de Stanford et tout, je ne sais même pas comment. Donc, voilà. Donc, ça, San Francisco, étape clé. Étape hyper importante qui m'amène à créer ma boîte. Parce qu'en fait, je reste chez Scoop It un an et demi. Arrive ce qui m'arrive toujours dans un job. J'ai envie de partir. Je ne sais pas pourquoi, mais... C'est-à-dire qu'à partir du moment où je n'ai pas la liberté totale sur ce que je fais, je suis de toute façon très malheureuse. Ça, c'est important à savoir. Ça dépend de vos priorités dans le boulot, quoi. Moi, c'est la liberté. Pour les gens, c'est le travail en équipe, machin, etc. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est pas le travail en équipe. J'aime bien travailler avec les gens, mais j'aime bien être libre. Alors, du coup, Palomar, San Francisco, ma boîte. Maintenant, je vais vous dire les 3 trucs que j'ai appris en faisant ça. Finalement, c'est le seul truc qui a de l'intérêt pour vous, quoi. Donc, le premier truc, c'est qu'en fait, ne pas se lancer, c'est encore plus douloureux que de se lancer. Vous arrivez à lire ou pas? Donc, on peut s'arranger pour être tellement occupé, tant de diversion, avec tant de gens pour couvrir le plus d'espace que nous n'avons jamais le temps de sonder notre monde intérieur, si terrible et merveilleux. Au milieu de nos vies, la plupart d'entre nous, nous sommes devenus des fugitifs de nous-mêmes. Ça, c'est à peu près la plus grande peur de mon existence. Ça vous plombe, cette phrase? Non? Non, mais elle est belle. Du coup, en fait, moi, j'ai un peu cette philosophie qui est, en fait, avant de just do it, avant de faire, avant de se lancer, il faut faire just do you. C'est-à-dire, il faut se trouver... Moi, je ne sais pas comment on fait les choses si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas ce dont on a envie. C'est très, très compliqué, je trouve. Du coup, moi, j'ai quand même fait un espèce de gros, gros travail. Bon, là, c'est la partie un peu californienne, relou, yoga, machin. Parce que ici, on n'en parle jamais, mais c'est hyper important. Pour moi, c'est vraiment des outils, quoi. Donc, moi, je me dis, OK, en fait, il faut que je sache vraiment ce qui me fait triper. Parce que sinon, je ne sais jamais si je vais faire les choses pour les bonnes raisons, quoi. Est-ce que je me casse de Scoop It pour la bonne raison? Est-ce que ça me fait vraiment triper ce que je vais faire? Donc, ça, je pense que c'est capital, que c'est hyper important. Alors, le problème pour Just Do You, c'est ça, c'est moi qui overthink, vous voyez? Ça, c'est moi à peu près 50% du temps, quoi. Et ça, c'est dramatique. Parce qu'en fait, vous êtes un peu prisonnier de tous vos démons. Tu ne sais pas le faire, tu ne pourras pas, tu es nul, tu n'as pas les compétences. Enfin, moi, j'ai le syndrome de l'imposteur, mais big time. Vous connaissez? Vous savez ce que c'est? Quelqu'un là? Ah, on se sent moins seul. En fait, je pense que beaucoup de gens ont le syndrome de l'imposteur, pour être très honnête. Donc moi, je vis avec le syndrome de l'imposteur. Donc voilà. Donc moi, je me dis, en fait, il faut absolument que je trouve un outil, quelque chose qui m'aide à lutter contre mes propres doutes, mes propres failles, ce qui me terrorise. Sinon, je ne vais jamais me lancer. Et ça, c'est très important de se connaître, je pense. Donc moi, j'ai vraiment des outils qui m'aident. Moi, je yogue tous les matins. Bon, pas ce matin, c'était trop tôt. Mais je fais du yoga tout le temps. Je médite tout le temps. Je lis. Non mais moi, j'ai lu tous les livres de positive psychologie au monde. Tant pis si ici tu passes pour une teubée et qu'il faut mieux avoir Spinoza sous le. Ça m'a tellement aidé. Ça m'a tellement aidé pour lancer ma boîte. Je connais tous les blogs. Je connais. Donc je m'en fiche de ce que les gens pensent. Moi, je pense que se connaître, on ne change pas le monde sans faire un petit travail sur soi-même, quoi. Sans se changer soi-même, sans prendre ce rendez-vous, quoi, avec soi. Donc moi, j'avais vraiment besoin d'outils. L'écriture, le yoga, la méditation, ça m'a vachement aidée.
Bon, alors ça, c'est le plus dur. Hein. Parce que ça, la peur est vraiment un menteur, quoi. C'est-à-dire ça, c'est vraiment le plus dur, parce qu'en fait, il y a une ligne qui est très ténue entre ne pas faire quelque chose parce qu'on n'a pas envie et ne pas faire quelque chose parce qu'on en a peur. Moi, dès que je sens que j'ai peur de quelque chose, je me dis, faut que tu y ailles, faut que tu le fasses. Quand je sens que j'ai pas envie de faire quelque chose, je le sens, en fait. C'est pas du tout les deux mêmes sensations. Vous comprenez ? Ça vous parle ? Donc moi, non, je vérifie. Comme il n'y a que monsieur qui me parle, je vérifie. Donc du coup, en fait, ça, pour moi, c'est le plus dur. C'est la peur. Parce que c'est assez paralysant, quand même, la peur. Alors, tu lis, moi, j'ai lu 150 bouquins, machin. Bon, c'est quand même bien là, quoi. Même si c'est une illusion, etc. Donc ça, c'est le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas confondre la peur de faire quelque chose et l'envie de ne pas faire, qui sont deux choses très différentes. La peur est plutôt un bon indicateur, d'ailleurs, par rapport à une zone de confort dans laquelle on s'installe. Donc moi, je pense que l'entrepreneur, c'est pas Superman, quoi. C'est pas Wonder Woman. Oui, j'ai volontairement mis une femme. Donc, parce qu'en fait, l'entrepreneur, c'est pas du tout quelqu'un qui n'a jamais peur. Ça, c'est des conneries. Hein. Moi, j'ai peur tout le temps, franchement. J'ai l'impression que je suis la fille la plus peureuse du monde. Par contre, je me sens héroïque quand je la dépasse, ouais. Et là, j'ai des moments d'adrénaline un peu forts. Je me dis, bon, putain, je l'ai fait, quoi. Donc, en fait, moi, je pense que cette peur-là, je me dis, bon, en fait, cette sensibilité, cette peur-là, c'est la source de ma créativité. Il faut que j'en fasse quelque chose. De cette peur, de cette anxiété, il faut que ça soit, en fait, le berceau de ma créativité. Donc, du coup, moi, j'ai un seul conseil par rapport à la peur, c'est de se jeter à l'eau. Il n'y a pas le choix. Il y a un moment, il faut faire le premier pas. Il fallait appuyer sur ce putain de bouton pour envoyer l'email. Pour moi, c'est le premier pas pour ma boîte. Non, en fait, le premier pas, c'était de déposer les statuts, quoi. C'est-à-dire, l'annoncer aux gens, pour moi, c'est vraiment le premier pas. Donc ça, j'ai pas d'autre conseil que il faut y aller. À partir du moment où vous êtes trouvé, vous avez fait ce travail un peu sur vous-même, go. Vous voyez cette phrase, elle est utilisée par les designers. Qui est designer ? Pas mal. Donc en fait, les designers, ils pensent qu'un proto, ça vaut des dizaines de réunions, quoi. Moi, je peux parler pendant 107 ans de ce que j'aimerais faire, mais tant que je l'ai pas fait... Dans le meilleur des mondes, on est la somme de ce qu'on dit, mais dans la vraie vérité, le vrai monde, on est la somme de ce qu'on fait à un moment ou à un autre. Donc de toute façon, il faut y aller, quoi. Il n'y a pas le choix. Je vous fais passer ça comme si c'était l'horreur. Ce n'est pas l'horreur de réaliser ses rêves. C'est juste pas facile. Le sens et le bonheur, ce n'est pas du tout la même chose. Avoir une vie qui a du sens, ce n'est pas forcément une vie heureuse. En tout cas, pas au début. Moi, je pense que le sens apporte le bonheur. Mais est-ce qu'on est hyper heureux au début ? Non, je crois pas. Parce que c'est quand même très dur de changer, de prendre des risques, de se lancer, d'aller au-delà de sa zone de confort. Non, ça ne rend pas très heureux au début. Mais à un moment, ça va rendre heureux. Donc du coup, par rapport à l'échec, énorme problème ici. Parce que moi, ça m'a traumatisée pour ma boîte. C'était si je me plante, si j'ai deux clients à vie, comment je vais faire, machin, etc. Terrible. Parce que ici, le rapport à l'échec en France, il est terrible. Donc ça, en fait, par rapport à l'échec, moi, le conseil que j'ai à vous donner, voyez-vous comme un petit scientifique, quoi, qui fait des expérimentations. Elle a bossé 150 jours pour avoir la bonne formule, peut-être même des années. Donc en fait, il faut se voir comme un work in progress. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut jamais voir un truc... Moi, je vis des échecs tous les jours. Je me prends des portes tous les jours. Bon, bah, oui, je ne le vis pas très bien, mais je me dis, bon, bah, allez, il faut y aller, quoi. Il faut recommencer, c'est un work in progress. Je m'améliore, je vais m'améliorer. Il faut pas... Si je me vois comme un produit fini, dans la tête, c'est foutu. Mais si je me vois comme quelque chose qui évolue, qui va apprendre, ça change un peu la perspective. L'échec, personne ne le vit très bien. Mais c'est plus facile si vous êtes un peu plus résilient et si vous avez l'impression que la société vous blâme moins pour cet échec. Question d'éducation, là aussi, toujours. Alors, autre conseil, et ça, je trouve ça intéressant ici, c'est la communauté. Moi, ça m'a vachement aidé d'être avec des gens qui vivaient le même truc que moi ou qui comprenaient ce que je vivais, en fait. Parce que c'est important d'avoir sa crew, je pense. Vous voyez ? Des gens qui vous disent, quand tu quittes ton job, ou quand tu dis, mais t'es complètement dingue, mais Magali, elle a pété les plombs, elle est en train de quitter son job, machin. Ça, c'est très désagréable pour changer de vie. C'est très compliqué. Hein. Il faut avoir une crew qui n'est pas trop toxique, en fait. Ne lâchez pas tous vos anciens meilleurs amis. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de trouver des gens qui vivent la même chose que vous, je trouve, hein, ou qui comprennent ce que vous vivez. Creative Morning, c'est une communauté.
J'adore. Vous pouvez rentrer. Alors, j'adore cette phrase. Je n'ai pas osé la traduire en français, hein, parce que bon. Before you diagnose yourself with depression or low self-esteem, first make sure you are not in fact just surrounded by assholes. Vous avez tous compris ? Vous n'avez pas compris ? Alors, en fait, il dit, avant que tu te diagnoses avec une dépression ou un manque d'estime de toi, sois sûr que tu n'es pas entouré, en fait, de connards. Vous comprenez ce que ça veut dire ou pas ? Il y a des gens qui peuvent être toxiques quand on essaye de prendre des risques, quand on essaye de vivre le changement. Bon, les parents ne sont pas toxiques, mais les parents sont toujours très paniqués, par exemple, je trouve. Mais aussi, ils peuvent être très, très nécessaires. En fait, c'est à vous de trouver votre support. C'est à vous de trouver votre crew qui vous aide ici, être ici une fois par mois. Qui vient souvent ici ? Oui, bon, pas beaucoup. Bon, eh ben, il faut venir plus souvent. Parce que Creative Morning, c'est une communauté de support. Vous avez des gens qui s'intéressent. Ouais, je vous fais la pub au passage. Au plaisir. C'est comme FreshBooks. Vous savez que FreshBooks, c'est quand même mon outil de freelancer depuis le premier jour de ma boîte. FreshBooks, c'est formidable pour faire des devis, des factures et tout ça. Pas prévu, mais avec plaisir aussi. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est très, très important. Je pense aussi qu'on a besoin de mentors. Qui a des mentors ? C'est pas beaucoup, hein. Parce que c'est vachement important, les mentors. Oui. Mais moi aussi. Mais mes mentors sont morts aussi. Ça, c'est mes mentors. Donc, non ? Ça, c'est mes mentors et 2/3 sont morts. Voyez ? Parce que les mentors, vous n'êtes pas obligé de les connaître. Vous n'êtes pas obligé d'aller dîner avec eux. Vous n'êtes pas obligé de leur envoyer un... Ils peuvent être morts. Donc, je vous annonce, ça va être un choc. Steve Jobs est mort. Ben, ça a été un choc pour moi aussi, je ne vous cache pas. Maya Angelou est morte. Elle, alors du coup, elle, c'est la première femme qui a fait le code, qui a emmené les gens sur la Lune. Bon, elle est encore vivante. Mais ça, en fait, c'est des mentors que je n'ai jamais rencontrés, à mon grand drame. Mais pour moi, c'est des mentors. C'est des figures hyper importantes. Des gens qui vous inspirent, quoi. Des gens qui vous font vibrer, des gens qui vous disent ça, dans lesquels vous pouvez vous projeter. C'est la nature humaine. Moi, ces gens-là, ils m'ont vachement aidée. Les lire, les écouter, ça m'a vachement aidée. Maya Angelou, c'est brillantissime. Ses poèmes, ce qu'elle dit, etc., c'est brillantissime. Ça aide, vous savez. Les artistes, ça aide. Moi, je considère que Jobs était un artiste. Donc, j'ai un petit post-scriptum par rapport à tout ça. Pour revenir à la question du départ, je pense que le sens de sa vie est de trouver son don. Le but de la vie est de le partager. Donc, en fait, la prise de risque, elle n'est pas seulement pour vous. La société, elle n'est changée que quand certains d'entre nous arrivent à prendre des risques. C'est la seule façon d'innover au collectif. Donc, il ne s'agit pas seulement pour vous de changer votre vie. Il s'agit pour vous de changer les vies quand vous faites ça. Les vies au collectif dans ce pays. Bon, ça, c'est la France, un peu pour moi. Qui veut du changement ? Ouais, oui. Qui est prêt à changer ? Oula ! Ouf, non, peut-être pas, là, quand même. Mais en fait, c'est exactement la même dynamique. C'est la même chose. Il n'y a pas de changement collectif sans changement individuel. Ça n'existe pas. Donc, quand vous prenez un risque pour vous, vous êtes en train de prendre un risque pour la société. C'est hyper important. Le monde, il est changé que par les gens comme vous, qui un matin se disent « Allez, ce projet de rêve, je le fais. Cette prise de risque-là, je la fais. » Parce que l'innovation, elle commence du cœur. Elle commence des tripes. Elle commence pas de la tête. Tout ce que vous ferez avec le cœur, tout ce qui vous fait vibrer, c'est ce que vous allez mieux faire. Et c'est ce qui va changer les vies, ce qui va changer la vôtre. Alors ça, c'est l'homme raisonnable s'adapte au monde. L'homme déraisonnable s'obstine à essayer d'adapter le monde à lui-même. Tout progrès dépend donc de l'homme déraisonnable. Donc prendre un risque, c'est être déraisonnable. Pour vous, mais aussi pour la société. C'est la seule façon de la changer. Donc moi, je vais vous dire, à mon avis, où est le risque ? Où est le plus grand risque ? C'est pas de sauter le pas, de lancer sa boîte, d'explorer le monde. C'est de porter un masque toute sa vie. Et de ne pas arriver à se changer et ni à changer la société. Je pense que la prise de risque, c'est de rater le rendez-vous avec soi-même. Merci.